Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, hey, hey. Ça fait longtemps déjà. Hey. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à dire et je serai là. Hey, tout n'attend que ça. Tu n'as qu'à dire et je serai là. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi, maman. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi, ça dépend de toi. Oh, qui a connecté? Eh hey, Piol, c'est comment moi la gérer mon wheel là. Bon famille, rien de grave, je suis là pour vous donner deux trois petites nouvelles. Et puis à vous laisser, je serai très bref. Bon, pour ceux qui l'ont appris depuis hier, mon compte Instagram a été piraté. Oui. Mon compte Instagram a été piraté. Donc, c'est quoi ça? Ouais, Eva, ça va? Donc, je disais, les bâtards ont piraté mon compte Instagram. Ils m'ont pris en lacho. Je vous explique comment ça s'est passé. En fait, beaucoup de gens se plaignaient. Pourquoi, Beno, tu as 1 million de followers sur ton Instagram, mais ton Instagram n'est pas certifié, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, c'est pas bête, je n'ai pas certifié mon compte. Mais vous savez, j'ai créé ce compte-là il y a tellement longtemps avec un email qui était... En fait, j'ai plus le code de cet email-là. Vous comprenez, non? J'avais pas le code de cet email-là. Donc, c'était compliqué pour moi de pouvoir certifier. Parce que quand j'ai fait la demande de certification, il m'envoie les messages dans l'autre email. En tant que je ne sais pas comment déjà. Le numéro aussi de secours que j'avais mis sur le email là, je n'ai plus ce numéro là. Donc, bref, c'était compliqué. Donc, j'ai changé d'email, tout ça. Mais ça tardait, ça tardait, ça tardait, ça tardait. Ouais, non. Voilà. C'est comme ça que j'ai géré mon Instagram comme ça. Et puis... Comme par hasard, avant-hier, je parlais de ça avec mon manager. Je parlais de ça avec mon manager qui me disait, ouais, il est en train de voir d'autres solutions pour pouvoir certifier mon compte, tout ça. Et puis, hier, comme par hasard, je reçois un message d'Instagram. Enfin, je n'ai même pas cherché à calculer si c'était vraiment Instagram ou si ce n'était pas Instagram. J'ai commencé à répondre directement en suivant, parce qu'il m'a envoyé le message pour dire que, ouais, c'est par rapport à la demande de certification de mon compte, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, j'ai suivi sans m'en rendre compte. En temps, c'était un truc fake, en fait. C'était des pirates, c'était des hackers. Et puis, bon, j'ai suivi les instructions. C'est comme ça qu'ils ont pris possession de mon compte. Et j'ai plus accès à mon compte Instagram actuellement. Tu vois? Donc, voilà, là, on est en train de suivre la procédure pour récupérer le compte. Ça va prendre un peu de temps. Donc, comme on ne peut pas rester là comme ça, j'ai ouvert un autre compte Instagram.
D'accord? J'ai ouvert un autre compte Instagram. C'est Serge Beno. Je l'ai ouvert depuis hier. Certains ont commencé à s'abonner, Dieu merci. Je pense qu'on est à déjà 70 000 abonnés, c'est pas mauvais. Mais je suis là pour vous certifier que c'est le bon compte qui est là. Serge Beno, c'est tout collé. Sergebeynaud. Voilà, faites attention parce qu'il y a beaucoup de comptes fake aussi de Serge Beno. Le bon, c'est Serge Beno, tout collé. Il n'y a pas 2D à la fin, il n'y a pas 2E, il n'y a pas 4Y. Parce qu'il y a un autre où il y a 2D là, c'est pas pour moi. Serge Beno, en un mot. Voilà, pour me retrouver sur Instagram. Ok? Abonnez-vous massivement là-bas. Et puis, faites passer le message autour de vous. Dites à vos frères sans qui étaient abonnés aussi que mon compte est bloqué. Donc, ils n'ont qu'à venir s'abonner sur le nouveau compte. Voilà, le nouveau compte, c'est propre. Je pense que je vais mettre tout en lieu pour pouvoir certifier ça tranquillement. Et puis, voilà. C'était pour vous passer ce message. Donc, on est ensemble. Et puis, Kotana Koto, c'est pour ce lundi prochain, 4 février, à 12h sur ma chaîne YouTube. Ok, il y a le making of qui est disponible pour pouvoir aller regarder ça tranquille. Il est publié ça tout à l'heure, là, depuis midi. Donc, voilà. C'était ça l'information. Mon nouveau compte Instagram, Mounia. Je vais utiliser l'ancien. En fait, j'ai dit que je n'ai pas accès à ça actuellement. Donc, je suis en train de suivre la procédure pour pouvoir récupérer mon compte. Ok? Voilà, il y a une procédure à suivre. Instagram doit faire des vérifications pour voir si ça m'appartient vraiment, les trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais récupérer. Mais comme ça prend du temps et qu'on ne peut pas rester là comme ça, ne rien faire, il y a un nouveau Instagram que j'ai créé. Voilà, depuis hier. Et puis hier à 23h, j'ai créé le compte. Et voilà. On est à 70 000 déjà qui sont abonnés. Ça veut dire que tout le monde n'est pas encore au courant. Donc c'est pourquoi je fais ce direct pour vous dire que mon nouveau compte Instagram, enfin mon compte provisoire Instagram, c'est Serge Beno tout court. L'autre c'était Serge Beno officiel. Là c'est Serge Beno. Vous collez en un mot Serge Beno. Voilà, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas quelque chose. J'écris Serge Beno. Tout collé, tu vas me retrouver. Ok, donc retrouve-moi là-bas. On va bien causer là-bas. Ok, donc c'était ça l'information du jour. Il n'y a pas d'autres questions? Et je disais aussi que le Kotana Koto, c'est pour ce lundi. Lundi midi pile, quand on dit midi pile, GMT. Voilà, tu vas sur ma chaîne YouTube. Tu vas sur ma chaîne YouTube. Tu vas voir le clip, mon nouveau clip. D'accord? Donc, on est ensemble, la famille. C'était moi. Je ne vais pas trop vous déranger. Ok, Mister Sana. Yafoy. Donc, passez l'information, hein? Le nouveau compte, c'est Serge Beno. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des comptes bizarres, tu vois, non? Voilà, il y a un Serge Beno même, il y a 2D à la fin, là, c'est pas ça. Il y a un Serge Beno 12, il y a le Serge Beno 10, il y a le Serge Beno 1. Non, c'est pas ça. Serge Beno, tout court. Voilà, tout collé, tout en un mot. C'est ça. Bouba Fofana, Kotana Koto. Ça signifie rien, faut danser sur moi. Donc on est ensemble la famille. Portez-vous bien et puis passez le message. Allez-y vous abonner en tas. Voilà, allez-y vous abonner. On va remonter encore. C'est rien. On est ensemble. SFM Bash vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Béjarville, Carrefour Ferronnerie. Contact 0707 47 37. SFM Bash, votre événement, notre engagement.